Et voici un magnifique boletus appendiculatus, bolet appendiculé. Donc c'est un champignon bon comestible qui pousse en été et en automne parmi différents feuillus, chêne, charme, hêtre et autres essences. Donc le chapeau, typiquement brun, aucun reflet rougeâtre ou rosâtre, ce qui permet de la différencier avec le bolet royal ou le bolet du chêne vert. Voilà, deux espèces qui lui ressemblent beaucoup. Donc c'est une espèce rare. Pour ma part, c'est la première fois que j'en rencontre un. Donc le pied est bien jaune, le stipe, on appelle ça également. Et avec des zones à la base du pied légèrement rosâtres, comme on peut le voir. Ça, c'est un caractère important. La chair de ce champignon est blanche et devenant jaunâtre à la suite. Ne bleuit que très peu. Et on voit les tubes de couleur jaune, jaune citron, plus foncé que le pied. Une odeur agréable de cèpe. Légère. Donc voilà pour cette vidéo concernant le boletus appendiculatus. Je vous souhaite une bonne balade.